Ce soir, on est en train de voir l'installation de l'exposition. Et pour moi, c'est très émouvant de retrouver tous ces couples, tous ces personnages que j'ai photographiés aux quatre coins de l'Europe pendant 6 mois. Et voilà, je les retrouve tous rassemblés. Et en fait, c'est l'Europe qui se retrouve dans ce grand couloir, sur cette fresque de 135 mètres de long. Alors la RATP et le département de la communication sont très heureux d'accueillir cette exposition du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La RATP est engagée, cela depuis longtemps, fortement en soutien aux politiques européennes. Frédéric Delamure, l'artiste du ministère, a souhaité illustrer les 30 ans d'Erasmus sous un angle tout à fait particulier, qui est celui de la diversité des parcours, de la diversité des personnes qui se sont lancées dans l'aventure Erasmus il y a de cela 30 ans, et de la diversité des couples qui se sont formés et des enfants qui en sont nés, les bébés Erasmus. Nous accueillons 12 millions de personnes par jour. Et la rencontre devrait se faire, je pense, très naturellement entre la diversité de nos publics et la diversité des histoires qui sont montrées ici. En fait, ce qui est très particulier ici, c'est que c'est un grand couloir qui relie la gare Montparnasse au métro. Et donc ça fait tous les jours des milliers de personnes qui vont voir ce témoignage un peu de jeunes Européens.